l'église de Nice, un homme choisi y faire sa demeure. Cet homme aimable portait en lui un trésor. Dans sa ville, il voulut le partager. Leader. En vrai leader, il porta haut la bannière. Il battit l'église pour en bâtir un phare. Et toute la ville en fut éclairée. Son trésor, il allait le distribuer. Archéologie. Ces riches connaissances d'archéologie l'aident souvent à étayer son discours. Elles sont un atout pour parler de son trésor. Pourtant, celui-ci se trouve surtout dans son cœur. Intègre. La rumeur le dit. Cet homme est intègre et droit. Job doit être son ami. Oui, on le dit à Nice et même dans le monde entier. Jusqu'à toujours. Jusqu'en Saint-Marie. Aux États-Unis, partout. Sachez-le, la nature est son élément. Il la connaît si bien. Les animaux sont ses amis. D'ailleurs, n'hésite pas à le comparer à eux. Voir la parabole des animaux. Ah. J'espère que vous la connaissez tous, parce que si vous ne la connaissez pas, il faut la demander. Par contre, les animaux ont changé depuis qu'il a donné le message. Alors voilà, bon, maintenant le trésor, évidemment, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voici Alain, eh bien, il a des belles lettres, et j'ai choisi les lettres que sa fille d'ailleurs avait choisi, les adjectifs que Rebecca avait choisi pour intègre. J'aurais voulu aussi dire inspiré dans ses messages de Dieu, du Saint-Esprit, pour nous livrer des belles paroles qui nous touchent. Voilà, là, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Caméraman. Reporter pour la caméra.